Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Rouro945, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 11 sur Death Stranding. On va aller découvrir de nouveaux lieux, normalement. Alors, accepter une nouvelle mission pour Sam à la capitale relais. On va y aller. On va prendre l'émission pour Sam, livraison du kit d'assistance à la ville relais portuaire qui se trouve là-bas. Donc on va devoir... Bah, la ville relais portuaire, on n'y était pas déjà. Alors attendez, tac. Ça c'est une poche de transfusion avec du sang prélevé sur vous. Ah. Lorsque vous vous en équiperez, elle reconstituera vos réserves. D'accord. Poche de sang, poche remplie du sang de Sam, équipez-vous-en pour restaurer progressivement les niveaux sanguins de Sam par transfusion continue grâce à ces menottes. Si vous portez plusieurs poches de sang, une poche pleine prendra automatiquement le relais dès qu'une poche sera vide. Si vous utilisez une arme alimentée en sang, ce dernier sera prioritairement puisé dans vos poches de sang. Ces poches de sang peuvent être conservées dans des poches d'équipement. Et ça pèse 1 kg. Sam, c'est la première fois que nous tentons de développer une arme destinée à combattre les échoués. Je n'ai pas eu beaucoup de temps et j'ai dû faire avec les moyens du bord, alors en gros, ce sont des grenades améliorées. Attention cependant, on n'a pas dépassé le stade de la théorie pour le moment, puisqu'elles n'ont encore jamais été testées sur le terrain. Qui sait, avec un peu de chance, vous serez peut-être le premier à tuer un échoué, et ce serait un événement de taille, vous croyez pas? Attention, même si elles fonctionnaient correctement, n'oubliez pas que c'est votre sang qui les alimente. Donc si vous veniez à en abuser, c'est l'anémie qui vous attend. Ok, alors. Grenade hématique de niveau 1. Conçue spécialement pour être efficace contre les échoués. 5 munitions. Lorsque Sam vise, son sang est transfusé dans la grenade qui, une fois lancée, explosera à l'impact. Si des poches de sang sont équipées, se rendent drainées en priorité. La grenade peut vider le corps de Sam d'une grande quantité de sang. Alors essayez d'éviter l'anémie. Ok. Mais du coup, on est obligé de les prendre ou c'est comment? Attends, on va confirmer, on va rien prendre pour le moment, je sais pas du tout si c'est bon ou pas. Rien ne vaut un bon entraînement. C'est pourquoi nous avons ajouté une commande pour vous encourager à aller tester votre nouvelle arme au stand de tir. Mieux vaut passer par cette étape quand vous ne risquez rien plutôt que quand votre vie est menacée, pas vrai? Ça en vaut la peine, vous verrez. Attends, on va tout organiser, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur nous? On a ça, qu'on doit livrer. On a deux canons Mazer, mais ça sert à rien. Parce que j'en ai déjà un. Ah, j'aurais peut-être dû... grenade hématique. Détruit. Ah bah donc ça, on peut le... On peut décharger ça, on peut décharger ça du coup. Voilà. On va... Attendez. On va faire ça. On va décharger ça. On va prendre le canon qui est en bon état. On va tout réorganiser. Voilà. Et on devrait être pas trop mal. Ok, et ça, on va les laisser ici.
c'est ça. Ok les amis, bon. La ville relais portuaire. Ah non, elle est plus loin en fait. Eh ouais, bien joué. Bien joué. On va faire... Non, on va effacer tous les repères. Alors je sais pas du tout si c'est... Attendez. Un chemin a été tracé. Bon, écoutez. Lancement du scan. Faites bon voyage. On verra bien les amis. Je vais peut-être juste me refaire. Attendez, est-ce qu'on peut voir un petit peu ce qu'on porte là ? Ouais. Ok, j'ai des bottes. J'ai ça qui est équipé. Ok, j'ai bien envie de me refaire une paire de bottes en plus. Oh, après tu me diras, on a la moto. Parce que maintenant, on a un moyen de locomotion. Donc c'est plutôt cool. Donc écoutez les amis, on va essayer de faire ce qu'on peut. En attendant les amis, n'oubliez pas comme d'habitude le petit j'aime et le petit commentaire. Merci à toutes celles et ceux qui voilà, qui seront toujours là, présents à mettre les j'aime et les commentaires. Ça aide énormément pour le référencement des vidéos, pour que les vidéos soient vues, pour que ça remonte dans le fil d'actualité, etc. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent, si la chaîne vous plaît. N'hésitez pas également à aller voir les autres let's play présents sur la chaîne. Hein. Et d'autres arriveront. Dont un que j'attends très très ardemment. Qui sera à partir de début mars, les amis. Faites bon voyage. Sam, on dirait que vous avez encore pas mal d'autres commandes à gérer. N'oubliez pas. Une fois que vous serez arrivé à la ville relais portuaire, vous traverserez le lac. Alors c'est à vous de faire en sorte d'avoir bien fait toutes vos livraisons avant. Jetez un coup d'œil à votre carte pour réfléchir au moyen le plus efficace de rallier tous les endroits où vous devez aller. Est-ce que ça nous dit où est-ce qu'on doit les livrer là ? Ah oui, destination ville relais portuaire. Ok. Donc on doit juste aller à la ville relais portuaire directement. Donc capitale relais jusqu'à la ville portuaire. 3511. Eh ben, ça en fait du chemin.
Sam, avoir le Dooms vous donne des avantages que la plupart des autres n'ont pas. Quelles que soient vos aptitudes, vous faites partie de Bridges désormais. Notre organisation regorge d'experts talentueux dans de nombreux domaines, et ils sont tous prêts à mettre leurs compétences à votre service. L'équipe est là pour vous, Sam. Il suffit juste de demander. D'accord ? Bien. Ok, donc je sens qu'on va s'amuser hein, avec tous ces cailloux là. Attends, mais pas du tout. J'y vais où là ? Non, attends. Effaçons tous les repères. Ensuite, on va faire de là. Voilà, à la ville relais portuaire. Par contre, si on se prend toutes les deux secondes les roues dans les trucs là, ça va pas le faire. Hein. Oh, c'est chiant. Hein. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, on va devoir faire... ça, apparemment. S'il pouvait y avoir des routes au bout d'un moment. Ah, il y a des mules. Sam, si les techniciens ont bien fait leur travail, l'usine devrait être ici. Entrez et tâchez de trouver des archives. C'est pas du tout ça. C'est absolument pas ça que... je voulais faire.
impeccable. Allez! Non, mais... Mais non! Ah oui, tain, elle commence à être... Elle est en panne là. Faut faire gaffe aussi à ça. On va passer par là. Oh là là, mais c'est pas du tout instinctif, hein. Allez. Ok, d'accord. On va revenir là. Mais il faut une... Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Arme détectée. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Accès autorisé. Bienvenue. Fin de l'interdiction des armes. Ouais. Je comprends pas tout quand même, hein. Et s'il commence à flotter, c'est qu'on va certainement... on va devoir ne pas passer sur les échoués. Ok, d'accord. Si loin que ça? Non, mais je peux pas passer par là. Non, vas-y. Allez! S'il te plaît, allez!
C'est chiant! Frère! Mais j'ai peur... Mais j'ai tout perdu! C'est quoi ce délire là? Allez, vas-y, cours surtout, non? Ah mais du coup j'ai perdu toutes mes marchandises quoi. Allez vas-y hein, qu'ils me remettent pas des échoués ou je sais pas quoi là. Hein. Ouais, vas-y. Ouais, je crois que la... J'espère qu'il y a un... Comment ça s'appelle? Qu'il y a un garage là-bas hein, pour la réparer la truc. Hein. Putain, c'est chiant quoi. Attends, les... dès que tu tombes sur les échoués... Bon, je suppose que c'est ça la ville relais portuaire. Hein. Mais par contre, j'ai pas compris c'est quoi cette histoire là où il y a ces monstres là qui ressemblent à des baleines ou je sais pas quoi là. J'ai pas encore bien compris l'histoire. En tout cas, jusqu'à maintenant,
à chaque fois qu'on tombe dedans, on arrive plus ou moins à... Ah d'accord. On arrive plus ou moins... Ah oui, c'est par là-bas. On arrive plus ou moins à s'en dépêtrer de tout ça, mais... Bon alors, c'est par où que tu entres là. Le garage, il est où, s'il vous plaît? Putain, ils ont pas de générateur à l'extérieur, là? Chaussures en mauvais état. Remplacement conseillé. Alors attends, si je fais... Non, c'est comment on fait si je fais ça? Ah, j'ai pas de... Ah, j'ai pas de CCP. Ok. Bon. Bah c'est toujours non sans difficulté qu'on est enfin arrivé à la ville portuaire. Allez, on va décharger tout ça. C'est clair. Si tu savais. Après, j'ai l'impression que ça prend pas énormément de dégâts quand même, hein, Jusqu'à maintenant, ça a l'air d'aller, hein. On est déjà niveau 40, ça monte quand même assez vite. Hein. Volume de livraison. Ah, à mon avis, on va pouvoir porter des charges un peu plus lourdes, je pense, non? Alors, t'es là pour nous faire entrer dans l'air qui râle, un truc dans le genre? C'est ça. Ça dit. Ah ouais, vas-y, ça fait un sacré bail que j'attends ça.
Ok, bah mine de rien, on a déjà presque de la moitié de la map, enfin des États-Unis reliés en fait. Ville relais portuaire a rejoint les UCA. Oui, oui, d'accord. Donc ça, le classique, ok, on connaît. Attends. D'où tu sors ça? Ce petit truc là. C'est le même que le mien? Où tu l'as eu, hein? Ça, je sais pas trop. Mais il était déjà attaché là, si tu tiens à le savoir. Et d'où tu sors cette capsule? Je la tiens d'Igor, l'incinérateur mortuaire. C'est mon petit frère. Alors quoi? Il t'en a donné un, comme ça. Pourquoi? J'étais là-bas avec lui, à la fin. On déplaçait un corps et ça a mal tourné. Il y avait des échoués partout. Et l'un d'eux l'a attrapé. Il m'a dit de le prendre et de filer. D'accord. Alors c'est quoi ton histoire? Tu survis à une catastrophe pareille et tu continues à faire le même taf? Ok. Avec ça arrive tôt ou tard, j'imagine. Surtout, occupe-t'en bien. Sa place est avec l'expédition, avec toi. D'accord. Tu ferais mieux d'emporter ça, je pense. Je vois pas à qui ça pourrait être plus utile qu'à toi. Grenade hématique. On peut prendre. Comme ça, on se réorganise tout ça là. Et puis, et puis, ça peut être pas mal. La ville relais portuaire est sur le réseau. Ces gens font désormais partie des UCA. Leurs données intègrent notre sagesse commune. Avec assez de temps et d'imprimantes chirales, ils pourront construire des navires. Et un jour, les flots seront à nouveau à nous. Tout ça parce que tu as montré la voie. Même si ce qui suit tes traces n'est pas toujours bien. Une ville qui rejoint les UCA devient une cible plus importante pour les terroristes. Mais nous devons accepter les dangers et avancer, quoi qu'il en coûte. Le reste de l'Amérique t'attend, Sam. Il attend que tu fasses le premier pas et que tu le connectes au réseau Chiral. Je sais que tu peux les atteindre. Rends-nous notre intégrité. Merci. Une ville de plus dans les villes unies, hein? Alors, tu veux traverser le lac et continuer vers l'ouest? Ouais. On a un bateau? Non, pas depuis des années. Les terroristes ont pris toutes les embarcations de Bridges. Le seul bateau de la ville appartient à un messager privé. Un messager privé? Me dis rien. Fragile Express? C'est bien ça. J'ai discuté avec leur agent. Ils chargent une partie de l'équipement que tu nous as apporté sur leur bateau. Oh, je parie que les gars du relais du lac vont adorer voir quelqu'un accosté dans leur port. Ça doit faire longtemps qu'ils n'ont pas vu ça. Descends au port quand tu seras prêt. C'est juste à côté du centre de district. T'en fais pas, il pleut jamais au relais portuaire. N'hésite pas à te reposer dans ta chambre avant de partir. Nous apprécions beaucoup votre travail, ça. Okay.
rythme écoulé pendant le sommeil, le bébé a retrouvé la sérénité. Très bien. Bonjour, Sam. Collecte de sang terminée. Merci pour votre générosité. Une poche remplie de sang était placée dans votre casier privé. Ok. Bon. Allez, comme d'habitude, on va boire, les amis. Ah, mais c'est pour recharger ou... Ok. Très bien. On va aller prendre une petite douche quand même, histoire de... que Sam soit... soit tout propre. Voilà. Très bien. Ensuite, activons le terminal. Qu'est-ce qu'on a eu ? Alors, à propos de mon frère, depuis que tu m'as pris pour mon frère, j'arrête pas de penser à lui. Mais je tiens à ce que les choses soient claires. Je te reproche pas ce qui est arrivé. Et je sais qu'Igor penserait la même chose. C'est quand même bizarre. On était franchement pas très proches. Et quand il était en vie, je pouvais passer des semaines sans penser à lui. Mais maintenant... enfin, ça se passe toujours comme ça, non? Tu as toujours avec toi ce petit souvenir de lui? Ça peut paraître idiot, mais je commence à le voir comme son alter ego. Quelque chose comme ça. Tu savais que c'était son rêve de découvrir l'Ouest en participant à la deuxième expédition? Il n'y sera jamais arrivé. Mais si son jeu préféré le fait, on pourrait presque dire qu'il vit son rêve par procuration. Du coup, je compte sur toi pour lui faire voir du pays. Ce sera plus que je ne pourrai jamais voir moi-même. Ok. Vous prenez bien soin de votre bébé. Comment ça va pour vous, Sam, et votre bébé? De mon côté, j'ai un truc qui me tracasse et c'est d'ailleurs pour ça que je vous écris. Avant, j'avais mon propre bébé que je connectais chaque fois que je partais en livraison. Procédure standard et tout le tintouin. Le truc, c'est que ça reste entre nous. J'ai commencé, disons, à avoir des sentiments pour mon bébé. Oui, oui, je sais, je connais par cœur tous les briefings. Ce n'est qu'une pièce d'équipement. Ne développez pas d'empathie, ne vous attachez pas. Oui, ben, c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout qu'après qu'il m'a donné ce like, une pièce d'équipement ne peut pas faire ça. Hein. Un équipement, ça n'aime pas être bercé non plus, ou être apaisé par la vue d'un Odraté qui tournoie. Mon bébé adorait ça, quand on allait nager et qu'on flottait simplement dans l'eau. Même s'il avait très peur qu'on plongeait ou qu'on allait sous l'eau. Comme si un simple outil pouvait en avoir quoi que ce soit à foutre de ça. Votre bébé est pareil, hein. C'est sûr, il réagit à des choses qu'on ne peut pas expliquer, c'est ça? Cette époque avec ce petit bout de manque. Il faudra bien prendre soin de votre bébé. D'accord, Sam? Qu'est-ce que je raconte, moi? Évidemment que vous en prenez soin. D'accord. Un rang de pont de connexion pour un monde meilleur. Salut, Sam. On dirait que vous avez encore pas mal de choses à apprendre. Je fais moi-même de plus en plus de livraisons, si vous voulez savoir. Le site m'aide vraiment à dépasser mes peurs, et pour ça, je vous remercie. N'allez toutefois pas imaginer que je reste de marbre. Je panique encore très facilement, et dans ces cas-là, j'avoue que je laisse parfois tomber des marchandises. Ça ne doit pas arriver qu'à moi, cela dit. J'ai trouvé pas mal de trucs que d'autres porteurs ont dû abandonner lors de leur livraison. J'essaie de me rendre utile et de rapporter les marchandises abandonnées à la boîte de stockage la plus proche, et de laisser des armes et des équipements dans les casiers partagés. C'est clair que j'ai parfois envie de dire merde et de passer mon chemin sans les ramasser, mais ça risque de me revenir dans les dents. En aidant quelqu'un à récupérer les marchandises qu'il a perdues, je peux espérer qu'on fera pareil pour moi. C'est le principe des ponts de connexion. La plupart d'entre nous ne deviendront jamais des légendes comme vous, et il n'y a pas de honte à ça. Mais si on collabore tous et qu'on crée des connexions, on pourra au moins faire de ce monde un endroit meilleur. Et c'est là que les ponts de connexion entrent en jeu. Ensemble, on peut réaliser tellement plus que chacun dans notre coin. Et ça marchera encore mieux avec un bon rang du pont de connexion. D'accord. Donc des trucs qui... je vous l'avoue, on s'en fiche un peu. Partir pour la ville relais du lac. Récupération documents confidentiels. Ok. Très bien. Eh ben, on va quitter la chambre privée.
partout où il veut, y compris dans l'espace. Tu vas bientôt sortir de là. Et dès que toute cette histoire sera terminée, je te promets de t'emmener où tu veux. Ok, bon, alors avant ça, on va, tac tac tac, on va peut-être, Non. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Non. Oh, mais zut, c'est pas vrai ça. C'est ça que je comprends pas. On va décharger. Voilà. Que je comprends pas, c'est que ça maintenant ça reste là et je veux pas que ça reste là moi. Alors fabriquer un équipement. Et on va fabriquer. Un CCP en plus. Ça et ça. Voilà. Donc on est d'accord que là, j'ai un CCP sur moi, ok. Ok. Bon. Je pense que normalement, on doit être pas trop mal. On va s'arrêter ici pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très très bientôt les amis, portez-vous bien, ciao ciao.